Vous savez, lorsqu'on a eu cette initiative d'échanger, de se donner la main pour parler d'une même voix, lorsqu'on a commencé à se concerter, à organiser des rencontres de concertation au niveau des collectivités pour que nous trouvions des solutions à nos problèmes, ça a attiré l'attention du pouvoir public. Et parce que chaque fois qu'on organise les rencontres, les rencontres sont présidées par les élus des collectivités. Donc, soit par les élus des collectivités, soit par le sous-préfet ou le maire. Donc, nous, on les intéresse à ce que nous faisons. Finalement, ils ont vu qu'on a pris le poids parce qu'on embrassait toutes les unions des différentes collectivités. Et on parlait d'une même voix. Ça a attiré leur attention. Le fait aussi qu'on a demandé à nos unions de forcer la situation pour participer aux sessions communautaires, demander la parole pour poser nos problèmes, cela a fait que l'autorité publique a pris en considération notre existence. Cela a fait aussi que toutes les rencontres maintenant convoquées par l'autorité, pour la plupart des cas, on ne fait pas. Parce que notre cadre de concertation, qui est CECOPCA, a fait qu'on a demandé des places au niveau de certaines instances. Quand je prends la chambre d'agriculture préfectorale, la chambre régionale d'agriculture, ces deux instances, nous avons eu des places. Le cas de concertation des organisations paysannes de Kindia est représenté par deux membres au niveau de la chambre préfectorale de l'agriculture de Kindia. Le cas de concertation est représenté par deux membres au niveau de la chambre régionale de l'agriculture de Kindia. Donc, si vous voyez qu'on nous a accordé ces places, c'est parce que ils ont vu qu'ils ne peuvent pas passer sous silence notre existence. Donc, c'est en ça que l'autorité, le pouvoir public, s'est intéressé aux organisations de producteurs à travers ce cadre de concertation des EP.